De ton mari que je suis là, hein? En prenant soin de toi, nous aurons des enfants qui seront les siens et aussi ne t'amuse pas avec moi, monsieur. Depuis quand tu l'as choisi, je l'ai choisi bien avant toi. C'est à toi de choisir une autre puisqu'il en reste encore quatre. Non, celle-là est à moi, toi choisis une autre. Et entre elle et moi, il y a même déjà eu... Hey, Mamba, j'ai appris et j'ai eu du mal à y croire que tu t'es lavé avant les 9 jours prescrits par la tradition à l'égard des veuves. Mamba, tu veux changer quoi? Le monde? Tu veux créer ton monde à toi et vivre? Mamba, Mamba, qui est la chèvre? Moi ou toi? Donc, t'es menot. Ah bon? Je ne suis pas une chèvre. On va régler ça plus tard, Mamba. À compter de cet instant, Mfomo devient ton nouveau mari. Tu lui devras respect et obéissance. Gumba Mfomo, si elle tente, Oyou, tu lui envoies les triplés. J'ai dit depuis que j'ai accouché, monsieur Abou m'a complètement oublié. Il ne m'a touché que pour me donner un autre enfant. Il a tellement insisté sur mes 500 jours d'anniversaire. Depuis là, je n'existe plus pour lui. Oh. Et comme elle est plus là, elle se prend pour qui? Chantou! Pardon, quelle couleur? Quelle couleur? Je viens de ce pas de l'hôpital où ta cinquième épouse est hospitalisée depuis bientôt un mois. Tu n'as même pas mis les pieds. Tu ne sais rien de son état. Elle vient d'accoucher et elle est gravement malade. Sinfomo aime les mots. J'aime trop les discours. Donc tu crois que c'est pas Sinfomo? Donc tu crois que c'est toi qui m'informes que ma femme a... Je suis au courant. Gamba te le dit. Tu vois. Vous voyez? Vous voyez? J'ai l'impression que révérend apôtre Mfomo maîtrise les problèmes de mon foyer mieux que moi. Et ça, hein, ça c'est suspect, Mfomo. C'est suspect. Yeah.
remercie extrêmement au Goethe Institut parce que sans le Goethe, nous, on ne peut pas monter ou démontrer nos talents. Donc c'est ça que je peux dire et je suis content pour ma 7e mise en scène. Merci. Merci.